Je voulais faire une petite vidéo pour répondre à la question d'un de mes abonnés qui me demandait pourquoi est-ce que j'avais arrêté depuis 2 semaines de publier des vidéos. Je voulais profiter de cette occasion pour vous parler d'un livre de Keller qui s'appelle The One Thing. Alors, The One Thing, c'est un livre qui parle de productivité et de minimalisme. En gros, l'idée de ce bouquin, c'est de vous dire que plutôt que de se disperser en faisant des listes de tâches, ce que font énormément de managers ou de chefs de projet, d'entrepreneurs ou d'étudiants, lui, Keller, propose plutôt d'identifier, de trouver la chose essentielle qui permet d'atteindre ses objectifs. Et c'est assez intelligent, je trouve, comme manière de retourner un petit peu le problème. Effectivement, quand on a une liste de tâches, on peut avoir l'impression qu'on avance sur d'autres projets, qu'on fait plein de choses dans la journée. Mais au final, est-ce qu'on a fait autant que ça? Est-ce qu'on a vraiment fait l'essentiel? Eh bien, pas forcément. En général, l'être humain va vers ce qui est le plus simple et le plus facile. Donc, on va lister une liste de tâches, mais en vérité, dans ces 10 choses, dans ces 12 ou dans ces 15 choses à faire ou que l'on fait tous les jours, eh bien, en vérité, il n'y en a que une ou deux qui sont vraiment importantes pour atteindre notre objectif. Et on en revient à la loi de Pareto, autrement dit la loi des 80-20, qui dit que 20% des actions nous permettent d'atteindre 80% des résultats. Cette loi de Pareto, de l'économiste du même nom, un économiste italien du début du 20e siècle, s'est appuyée sur un constat à l'époque qui était que 80% des richesses de l'Italie étaient détenues par 20% des citoyens. On a par la suite fait beaucoup d'études pour essayer de confirmer cette loi et on a observé effectivement que par exemple, dans les magasins, 20% des articles permettaient d'atteindre 80% du chiffre d'affaires. Que dans la relation client, on a 20% des clients qui accaparent 80% du temps dans la gestion des problèmes. Et on peut multiplier ces exemples à l'infini. Et l'idée de Keller dans son livre The One Thing, c'est d'essayer de partir de cette loi des 80-20 et d'essayer d'aller plus loin. C'est-à-dire que imaginez que vous ayez identifié 10 choses que vous devez faire pour atteindre votre objectif. Si on part de cette loi des 80-20, ça voudrait dire que donc il y aurait au final que 2 choses vitale. Donc, vous prenez votre liste de tâches et vous la jetez à la poubelle, ou alors vous la réécrivez et vous allez essayer de vous concentrer sur seulement 2 choses. D'accord ? Alors moi, puisque je me suis confronté un petit peu à ce problème, et c'est pour ça que j'ai ralenti la publication de mes vidéos depuis 2 semaines, c'est que je suis en train de travailler sur un gros projet, c'est-à-dire le lancement de ma première formation, qui sera une formation sur la gestion de la colère. Cette formation me prend énormément de temps et là j'arrive à la dernière ligne droite. Le problème c'est que j'ai lancé ma chaîne YouTube au même moment et je me suis aperçu que je dépense énormément de temps avec cette chaîne YouTube et que du coup ça ralentissait mon projet principal qui est ma formation. Donc j'ai dû faire un choix. C'est pas forcément facile mais j'ai dû faire un choix. Et vous devez vous poser aussi vous la question. Est-ce que là vous êtes en train d'avancer dans le bon sens? Est-ce qu'en faisant ces 10 ou ces 12 choses par jour, vous faites l'essentiel? Je parie que non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de cuisiner un super plat et d'y dépenser beaucoup d'énergie et puis au dernier moment, vous recevez un appel et vous êtes avec votre ami au téléphone et vous oubliez votre plat. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 1 heure de travail sont détruits à cause d'une petite interruption téléphonique. Et ça nous arrive constamment. Ben, c'est pareil, dans le monde du travail, il faut être capable de choisir ce qui est vital, ce qui est essentiel. Et il faut être capable aussi de faire des sacrifices. Alors, on peut soit choisir de faire 12 choses, mais de les faire de manière moyenne, en passant d'une tâche à l'autre, mais en étant distrait. Ou alors, on peut faire le choix de se concentrer sur une seule et unique chose, et puis de bien l'accomplir. On retrouve un petit peu ça dans la culture japonaise, par exemple. Les Japonais, lorsqu'ils préparent le thé, par exemple, dans la cérémonie du thé, sont concentrés sur une seule action, sur une seule chose à réaliser, parce qu'ils souhaitent que cette chose, cette tâche, soit réalisée de la manière la plus parfaite. Aujourd'hui, nous, en Occident, on a tendance à vouloir être multitâche, d'être capable de faire 2, 3, 4, 5 choses à la fois, comme si c'était quelque chose d'enviable, comme si c'était quelque chose de positif. Or, lorsqu'on fait plusieurs choses à la fois, eh bien, on peut être sûr que c'est le meilleur moyen de rater plusieurs choses à la fois. Alors, essayons d'avoir cette approche minimaliste, d'identifier ce qui est vital, ce qui est essentiel, non pas 10 choses, non pas 5 choses, non pas 3 choses, mais une chose qui est importante
pour atteindre ton objectif. Essaie de réfléchir, de l'identifier, et une fois que tu l'as identifié, tu te fixes un planning, tu te fixes une deadline, et tu essayes de te concentrer sur cette chose et uniquement sur cette chose. Et je peux t'assurer que c'est le meilleur moyen d'atteindre ton objectif. Et c'est exactement le contraire des listes de tâches qui te donnent l'impression de faire énormément, mais au final, tu vas passer l'essentiel de ton temps à faire des choses qui ne sont pas vitales pour l'atteinte de ton projet. Cela te mènera à l'échec, à la frustration et à la déception. Écoute, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu as aimé, eh bien tu la likes et tu la partages. Et puis, on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Voilà, à très bientôt.